plupart des personnes à qui je dis je prépare le marathon de Paris, on me dit ouais, c'est assez jeune. Parce que souvent, c'est le marathon, c'est une course qui arrive assez tard dans une carrière sportive, entre guillemets. C'est des défis qu'on met au long terme, parce que les personnes avec qui je cours, elles ont fait leur premier marathon aux alentours de 45 ans. Donc voilà, c'est souvent dans ces âges-là, entre 30 et 40 ans, qu'on se lance son premier marathon. Mais moi, j'ai décidé de le faire plus jeune, parce que déjà, je me sens capable. Et puis, c'est vraiment un défi que je trouve ça bien à remplir à cet âge-là. Je débute pas la course à pied, j'ai déjà fait quelques courses, des 10 km, des 15 km. Mais le marathon de Paris, c'est vraiment ma première expérience un peu longue distance comme ça. Et c'est vraiment un défi qu'on s'est lancé entre amis, à table, au restaurant. On s'est dit, allez, on fait le marathon de Paris. Et voilà, c'est parti comme ça. Ça a un petit peu changé ma vie sociale. Je m'entraîne plus avec des amis, comme la séance d'aujourd'hui. Pas toujours autant mes copains, je sors toujours un petit peu. Je fais pas forcément attention à l'heure à laquelle je rentre, mais je fais attention à ce que je mange quand je sors. Je fais attention à pas manger trop gras. Je fais attention à pas trop boire. Une bière, deux bières, ça suffit, mais pas plus quoi. Pour essayer d'un peu mieux récupérer, je vais moins manger. Enfin, je vais même plus du tout manger au fast-food, des choses comme ça. J'essaie d'encadrer un peu plus la chose. Il n'y a pas une journée sans que j'y pense, sans que je pense au départ du marathon.